Il y a 3 mois, des nomades l'ont recueillie mourante là-bas, dans le nord de la Sibérie. Walker, Kate Walker, née à New York, États-Unis. Elle avait un passeport américain sur elle. Elle est arrivée à la clinique la semaine dernière. Elle se rétablit. Elle va bien. Tu es sûr de toi, Olga Efimova? Vous devez la retenir, le temps qu'on arrive. Je ferai ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi, colonel. Ma tête. Bonjour, Kate Walker. Bonjour. Je m'appelle Kirk, Kate Walker. Kirk, de la tribu des Yukol. Tu te souviens des Yukol? Où sommes-nous? Mes souvenirs sont confus. Une terrible tempête de neige et de glace, et puis rien d'autre. Nous sommes à la clinique du docteur Zamiatin, dans la ville de Valsambor. Comment ai-je bien pu atterrir ici? Les Yukol accompagnent la grande transhumance des autruches des neiges jusqu'aux terres sacrées. C'est un long voyage, un voyage très spécial. Il y a un mois, nous t'avons trouvé mourante au bord d'un fleuve, là-bas dans le nord. Nous t'avons recueillie et notre chaman t'a soignée. Après, nous avons poursuivi notre voyage. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous les deux pour achever notre convalescence. Tu as perdu une jambe. C'est un accident, tu sais. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les nomades comme nous. Mais ne t'inquiète pas pour moi. Le docteur Zamiatin a demandé à un grand artisan de Valsambor de me fabriquer une nouvelle jambe, et il me la posera dès qu'elle sera prête. Ce sera comme une nouvelle jambe toute neuve. Pourquoi t'a-t-on attaché à ce lit? C'est Madame Olga, l'assistante du docteur Zamiatin, qui en a décidé ainsi. Elle dit que je suis trop turbulent et que c'est le seul moyen de me prodiguer mon traitement. Apparemment, la fabrication de ma jambe artificielle, c'est une longue affaire. Et pendant ce temps, mon peuple m'attend avec le troupeau, sans guide, pour poursuivre notre voyage. Si ce n'est pas indiscret, pour ta jambe, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Les militaires ont bombardé la route que nous empruntions avec notre caravane. Comme ça. Juste pour nous effrayer et nous forcer à rebrousser chemin. J'étais un peu trop près de l'explosion. Un éclat de pierre. Voilà tout. Tu veux dire que ce sont les autorités qui t'ont fait ça délibérément? Mais pourquoi? Ils pensent que la migration des autruches des neiges appartient à un autre temps, et que ma tribu doit se sédentariser une bonne fois pour toutes. Et jamais nous ne ferons cela, Kate Walker. Ce serait défier les esprits. Et les Yukol craignent bien plus les esprits que les soldats. Les Yukol que j'ai rencontrés ne parlaient pas aussi bien ma langue. Je suis très impressionnée. Ce sont les missionnaires et les marchands qui passent de temps à autre dans notre village qui m'ont instruit. J'apprends très vite les choses, Kate Walker. C'est important si je veux être digne de guider mon peuple. Sans vouloir te vexer, Kirk, tu me parais un peu jeune pour ça. Les esprits ne tiennent pas compte de l'âge lorsqu'ils désignent le chef des Yukol. Et les esprits sont très avisés. Ils ne se trompent pas quand il s'agit de désigner celui qui guidera son peuple pour la transhumance sacrée. Et pourquoi les Yukol font-ils ce voyage? Mon peuple vit en symbiose avec les grandes autruches des neiges, Kate Walker. Leur laine nous protège du froid, leurs excréments amendent nos cultures, et leur viande nous nourrit. Elles nous servent aussi de monture et de bêtes de somme. On est donc contraint de les suivre là où elles vont. Et elles migrent à cause du climat?
Non, Kate Walker. Elles s'en vont vers les terres sacrées pour se reproduire. Il s'agit d'un événement qui ne se produit que quelques fois par siècle. Chez les Yukol, rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir participé à plus de 3 transhumances au cours de leur existence. Eh bien, Kirk, je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. J'imagine que maintenant, il faut que j'aille signaler au personnel que je suis réveillée, que je vais bien, et que je n'ai pas l'intention de m'éterniser ici. Sans doute, Kate Walker. Tu trouveras certainement du monde dans le patio. Peut-être même Madame Olga. Y a quelqu'un ? Je doute que quelqu'un t'entende, Kate Walker. Tu devrais essayer d'utiliser la sonnette à côté de la porte. Solidement vissé. Rien. Ça ne marche pas, Kirk. J'ai vu des membres du personnel manipuler cette sonnette l'autre jour. Inspecte son mécanisme, Kate Walker. Peut-être que tu arriveras à la remettre en route. Ce schéma indique comment allumer la sonnette. Mais je ne pourrai rien faire tant que je n'aurai pas accès à son mécanisme interne. Fouille la pièce. Tu y trouveras sans doute un objet pour ouvrir le clapet de la sonnette. Le camp de la tribu de Kirk, j'imagine. Le bout de ce couteau pourra sans doute me permettre de retirer la vis de la sonnette. C'est mieux que rien, j'imagine. Voilà qui devrait faire l'affaire. Maintenant, essaye d'utiliser cet objet pour réparer la sonnette.
Ça ne marche pas. Tout ce qu'il me reste de ce cher Oscar. Voyons si j'arrive à réparer ce mécanisme. En cas de doute, peut-être que le schéma que tu as vu tout à l'heure pourra t'aider. Enfin. Bon, plus qu'à trouver un responsable maintenant. Bien joué, Kate Walker. De mon côté, je vais me reposer un peu. Mais essaie de venir me dire au revoir avant ton départ. Va donc te plonger la tête sous l'eau glacée de la fontaine, Nikita. Ça calmera ces foutues migraines. Pas cette fois. Parce que c'est pas des migraines normales. C'est comme des tas de clous en fer rouillé qui remuent dans mon crâne. Ben mon vieux, te voilà bien arrangé. T'as parlé de ça à Madame Olga ou au docteur Mangeling? Parce que si ça se trouve, c'est eux qui me glissent cette saloperie de ferraille dans la tête pendant que je dors. Par les trous du nez, c'est comme je te le dis. Mais non, voyons. Les docteurs, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on aille mieux, mon pauvre ami. Tout à l'heure, on ira voir les oiseaux dans la volière. Je connais rien de plus apaisant. C'est même recommandé pour calmer les clous dans la tête. Vous aussi, vous avez vu des mammouths? Dites-le au personnel, comme ça ils me croiront enfin. Et est-ce que vous avez vu les dragons aussi? Il faudra en toucher deux mots au service d'entretien. Prenez vos marques. J'ai cru comprendre que vous allez rester parmi nous un petit moment. Si ce n'est pas déjà fait, allez prévenir le docteur Mangeling que vous êtes réveillé. Ah, vous vous êtes réveillé, numéro 10. Que puis-je pour vous? Eh bien, il me semble que je suis guérie. J'aimerais maintenant reprendre ma route. Vu votre état, voilà un projet qui me semble un peu prématuré et passablement déraisonnable, numéro 10.
Je ne suis pas un numéro. Je m'appelle Kate Walker. J'apprécierais que vous m'appeliez par mon nom, docteur. Voilà où je veux en venir. Cette agressivité en vous. Je crains que cela ne soit lié à quelques séquelles traumatiques conséquentes. Vous refusez donc de me laisser sortir ? Oh, bien sûr que non, mademoiselle. Il n'est pas dans mon intention d'abuser des prérogatives de ma fonction. Néanmoins, il faudrait au préalable vous soumettre à une batterie de tests destinée à prouver que vous êtes bien rétabli. Vous comprenez ? Asseyez-vous, je vous en prie. Je... Là-dessus ? Oui, oui, n'ayez crainte. Mais... Ne vous inquiétez pas pour ces attaches. Une simple formalité faisant partie du protocole mis en place par le docteur Olga, notre responsable. Bien, nous allons pouvoir commencer. Tout d'abord, veuillez décliner vos noms, prénoms, âge et lieu de naissance, je vous prie. Répondez-moi, je vous prie. Je m'appelle Kate Walker. Je suis née à New York et j'aurai 30 ans cette année. Bien, bien, mademoiselle. Jusqu'ici, mon appareil semble corroborer vos déclarations. Vous utilisez une sorte de détecteur de mensonges ? C'est la procédure. Cessez de vous inquiéter et parlez-moi plutôt de vos proches. Êtes-vous en bon terme avec eux ? Je commence à perdre patience. Non, j'ai coupé les ponts avec eux. Ça fait des semaines que je n'ai pas de nouvelles de ma mère. Et Dan, mon ex-fiancé, est parti avec ma meilleure amie, Olivia. Vous semblez vous complaire dans le chaos et l'anarchie, Miss Walker. Ce tropisme pour le désordre a-t-il un lien avec Hans Vorarlberg et Oscar ? Vous nous avez beaucoup parlé d'eux pendant vos délires. Oscar était une sorte d'automate très spécial, très sophistiqué. Vous savez, parfois on avait l'impression qu'il était presque vivant. Il a été conçu par Hans Vorarlberg. Hans était un génie. L'héritier d'une longue dynastie de fabricants de mécanismes de précision. Nous avons fait un très long voyage ensemble. Jusqu'à cette île perdue en mer qu'on appelle Sibéria. Hans savait que là-bas, il existait encore une population de mammouths qui avait survécu à la préhistoire. Hans était obsédé par les mammouths. Des mammouths ? Voyez-vous ça ? C'est une étrange histoire, j'en conviens. Mais je vous assure que c'est la vérité, docteur. À vrai dire, ce qui m'intéresse, Miss Walker, c'est que pendant ce voyage, vous avez été en contact avec le peuple Yukol. Ces nomades, qui d'ailleurs vous ont amené jusqu'ici à Valsambor. À votre avis, que faut-il craindre de ces tribus primitives qui semblent ne connaître ni loi ni frontières, refusant la civilisation et la sédentarité ? Répondez-moi, je vous prie. Je pense que la sédentarisation de ces populations est indispensable à leur bonne intégration au monde moderne qui les entoure. Oh, manifestement, vous mentez. Un pieux mensonge, j'en conviens, mais un mensonge tout de même. Vous m'inquiétez, Miss Walker. Votre manque de sincérité ne vous honore pas. À moins, bien sûr, que je ne doive interpréter tout ceci comme la manifestation d'un comportement typiquement américain. Serait-ce un signe ? L'expression inconsciente du désir de rentrer chez vous, Miss Walker ? Je vois. En quelque sorte, votre silence est une réponse, Miss Walker. Ainsi, vous projetez de poursuivre votre voyage chez nous. Une errance hasardeuse sans projet ni destination. Quel dommage pour une brillante avocate new-yorkaise à qui tout semblait promis. Ce n'est pas à vous de juger de tout ça, docteur. Pour le reste, j'imagine vous avoir prouvé tout au long de cet entretien que je ne présente aucune séquelle psychique de mes blessures. J'aimerais donc que vous autorisiez ma sortie maintenant. Votre entretien est concluant, certes.
mais j'ai tout de même des inquiétudes. Ces idées passablement subversives et puis cette propension au mensonge systématique. Désolé, mais je n'ai pas l'habitude de subir ce genre d'interrogatoire. Voici quelques années. Je vous aurais interrogé différemment, Miss Walker. Je vous l'accorde. Je garde une certaine nostalgie des bonnes vieilles méthodes traditionnelles. Vous êtes l'une des dernières représentantes d'un monde en voie de disparition, Miss Walker. Un monde désordonné qui ne manquera à personne. Cette clé est à votre image, déstructurée et incontrôlable. Si vous parvenez à l'utiliser pour quitter cet étage, alors vous nous prouverez que vous êtes définitivement guéri. J'aimerais récupérer mes affaires avant de partir. Vous les trouverez là-bas. Retournez-vous.